Chers amis, chères familles, heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Ta vie est un triomphe. Ta vie est un triomphe. Pourquoi ? Parce que celui qui t'a précédé, celui qui t'a appelé a triomphé, alors tu as le droit à ce triomphe, à marcher avec lui. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu avec une armée. Comme le pensaient certaines personnes qui disaient que tu dois prendre les armes pour chasser les Romains et que tu reprennes Israël et que tu sois le roi. Non, Jésus est venu pour que le royaume de Dieu s'installe, mais c'est un royaume d'amour qu'il est venu accomplir. Afin que les vies qui avaient besoin d'amour puissent trouver de l'amour, qu'il y ait encore une communion avec Dieu. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Il est venu et il a accompli sa mission jusqu'à la fin. Ce pourquoi il est venu, c'est une mission difficile, mais qu'il a accompli. À la rencontre de Jésus, les malades étaient guéris, les morts revenaient à la vie. Ceux qui étaient dans l'obscurantisme religieux sont éclairés, comme cet homme Nicodème qui est venu de nuit le voir. Et Jésus lui a expliqué comment faire pour naître de nouveau. Cette femme au bord du puits de Jacob, malgré plusieurs maris qu'elle avait, le plusieurs plaisirs qu'elle pouvait essayer de se procurer, son cœur était dans l'attente. Et Jésus est venu pour étancher sa soif. C'est ce que Jésus est venu faire. Et Jésus a accompli sa mission jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et sur la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». Il est allé jusqu'à une victoire finale en revenant à la vie. Et après sa résurrection, il s'est assis à la droite du Père, intercédant pour nous dans une gloire éternelle. Il nous a suscité par sa mort et par sa résurrection être des enfants de Dieu, connectés à nouveau avec Dieu. Nous devons donc triompher parce qu'il a triomphé avant nous et nous marchons dans sa victoire. Il nous a donné le pouvoir afin que nous puissions triompher avec lui. Donc, nous devons triompher de la maladie par le pouvoir qu'il nous donne. Nous devons triompher de l'adversité par le pouvoir qu'il nous donne. Nous devons triompher du péché parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Nous devons triompher par l'amour et aussi par l'obéissance parce que Dieu nous a appelés à accomplir une mission sur cette terre et nous devons triompher. Dans ce triomphe, Dieu manifeste sa gloire sur nous. C'est sa volonté. Jésus a remporté la victoire. Il a eu la gloire de Dieu. Alors, chaque jour, que ta vie soit une manifestation du triomphe de Dieu accompagné de la gloire de Dieu. Ce triomphe se fait dans l'amour et dans l'obéissance de ce à quoi tu as été appelé. Alors, sois encouragé parce que la volonté de Dieu, c'est que tu triomphes dans ta vie pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Que tu sois renouvelé et encouragé. Et je t'invite à t'abonner pour les nouvelles vidéos. Sois béni, à la prochaine. Que Dieu te bénisse encore. Amen.